Après le Salon du Livre à Paris, voici Quai du Polar à Lyon. La manifestation qui fête ses 15 ans accueille tout le week-end les grands noms de la littérature criminelle et quelques cinéastes comme Brian De Palma, Bertrand Tavernier ou Olivier Marchal. Un coup de projecteur va être mis cette année sur les romans nordiques. Mais les maîtres du polar français seront présents, comme Maxime Chattam qui a partagé sa bibliothèque idéale avec Marion Banchet. On pénètre dans sa bibliothèque comme dans l'antre d'une créature maléfique, sur la pointe des pieds. Auteur à succès, maître dans l'art du polar, de l'horreur, du fantastique, Maxime Chattam a publié en 18 ans de carrière 25 livres vendus à plus de 7 millions d'exemplaires. Il nous confie dans ce lieu tout à l'image de son univers, les grands livres qui ont guidé la plume de l'écrivain qu'il est aujourd'hui. Ma première lecture marquante, vraiment celle qui a été presque une claque, hein. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est pas très original, mais je devais avoir 12-13 ans, et j'avais commencé les 50 premières pages, c'était un peu fastidieux. Et un copain à moi plus âgé m'avait dit « Non mais attends, je vais te résumer ça, et commence à la page 110, je sais plus quoi ». Et alors là, c'était la révélation, je me levais tous les matins à 5h du matin pour pouvoir lire une heure ou deux avant d'aller à l'école, tellement j'ai aimé le bouquin. C'est une porte, c'est un trou noir qui m'aspire et qui m'emmène dans un autre univers, au point d'ailleurs où, à la lecture de ce livre-là, je me suis rendu compte que le monde dans lequel on vivait était extrêmement fade et que j'ai eu besoin de trouver un moyen de vivre, de mettre de la couleur dans le monde. Et je me suis mis à lire énormément pour ça. Le premier auteur où vraiment j'ai ressenti de la peur, c'était Stephen King, assurément. C'est un auteur qui n'a jamais hésité à explorer là où son imaginaire l'emmenait, il y allait sans se poser de questions, sans aucune contrainte vis-à-vis de son lectorat, de la publication, etc. Et j'ai toujours trouvé ça admirable en tant que lecteur, parce que j'aimais ça. Et puis quand je me suis mis à écrire moi-même, je me suis rappelé et je me suis dit « Ok, ne te bride pas, n'hésite pas à aller là où tu as besoin d'aller en fonction de tes envies, de tes besoins. Tant pis si tu connais le succès avec le thriller et que tu vas déstabiliser des lecteurs en faisant un jour un roman d'un genre différent. Il faut y aller parce qu'à un moment, un auteur a besoin d'écrire ce qu'il est, quoi. » Le Maître des Illusions de Donatarte, c'est un chef-d'œuvre absolu. Elle a mis 10 ans à l'écrire et je crois qu'à la lecture, on le comprend. Je pouvais lire 600 pages en étant dans la tête d'un personnage où il ne se passe pas grand-chose et trouver chaque page haletante, ne pas pouvoir lâcher le livre. Et c'est là que j'ai réalisé la puissance d'un personnage bien décrit dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, et à quel point le voyage dans l'esprit d'un personnage était essentiel à un livre. C'est Serge Brussolo, Cauchemar à louer. J'adore la couverture. C'est un livre qui m'a terrorisé quand j'étais adolescent, qui est une histoire finalement, une sorte de mythe du loup-garou revisité. Et Brussolo, il a le sens de la métaphore. Il va vous parler d'une petite fille qui court de nuit avec un bonnet rouge sur la tête jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment prête pour que vous vous rendiez compte qu'elle est juste scalpée. C'est horrible, mais c'est le talent de cet homme qui petit à petit, avec des tournures très simples, peut vraiment, vraiment vous faire peur. Polar préféré, c'est Dragon Rouge. Thomas Harris, on le connaît pour Le Silence des Agneaux, hein, le film. Dragon Rouge, c'était son livre, c'était presque le brouillon de ce qu'allait devenir Le Silence des Agneaux. À mon sens, il est plus réussi, il est plus épuré, il va droit au but. C'est un des premiers romans policiers qui va montrer comment fonctionne vous savez, le principe du profiler, les tueurs en série, etc. Et qui va s'atteler à l'aspect technique, s'il a passé beaucoup de temps avec les enquêteurs du FBI. Et quand on lit le livre, ça se ressent. Et en même temps, il a cette justesse permanente dans le livre de ne pas être trop didactique. Il vous dit ce qu'il a à dire, l'essentiel, sur l'aspect technique de l'enquête, mais il ne perd jamais de vue qu'il écrit un roman avant tout, que ça doit être divertissant. Et le livre est parfait, de bout en bout. Il y a un auteur qui m'a secoué, et si je ne devais citer qu'un seul de ses livres, ce serait Nockem Stiff de Donald Ray Pollock. C'est l'Amérique profonde, l'Amérique sale, l'Amérique bête. Ce sont les gens qui n'ont pas grand-chose et qui survivent. Et il se met dans leur tête. Et ce qu'il en sort, c'est une claque permanente. À tous les niveaux, de violence, d'horreur au sens, je vais dire, social presque. Il est incroyable de justesse. Un type qui travaillait à l'usine, hein, au quotidien, qui un jour s'est dit « j'ai besoin d'écrire pour vivre », c'était comme un moyen de survie, et qui s'est mis à prendre des cours d'écriture. Et il a fait ces nouvelles-là, et c'est phénoménal, phénoménal.